Bonjour chers téléspectateurs, je suis heureux de vous saluer sur le site de construction Sovelmash. C'est Alexandre Soudarev comme toujours. Et aujourd'hui, nous allons vous apporter les nouvelles du terrain, ce que nos ouvriers font, sur quoi ils travaillent et nous allons regarder quelques processus en personne. Je vais vous dire tout de suite qu'il y a beaucoup de travail effectué, beaucoup de travail et un travail de routine. Vous ne verrez rien de nouveau, mais les choses que nous pouvons vous montrer, nous vous les montrerons. Derrière moi, vous voyez de nouveaux axes et la partie d'essai et de production du bâtiment commence à être à côté du territoire du bâtiment administratif et technique futur. Ils sont maintenant séparés par une rupture par feu qui est déjà là. Et je pense que nos spécialistes vont tourner tout cela, ils vont zoomer sur cela. Et vous voyez déjà que sur le territoire du bâtiment administratif et technique, on monte les dalles du sous-sol. On a mis des armatures dans la première section du puits d'ascenseur. Le travail va vraiment en pleine voile. Dans la dernière vidéo, la cage d'escalier que nous observons maintenant, c'était en dehors du bâtiment et maintenant il y a des constructions en métal. Ce qui prouve que très prochainement, les équipes d'ouvriers pourront y mettre les couvrages et continuer à couler le béton. Et maintenant, allons plus loin et voyons ce qui a été fait de nouveau et ce qui a changé récemment. Les cages d'escalier, là on voit que cela va au deuxième étage. On fixe des armatures pour mettre le coffrage par la suite et pour continuer l'accès vers la toiture. On aura l'accès à la toiture. C'est déjà une bonne réussite, pour ainsi dire. Regardez bien ce qui se passe ici. Avant, nous vous avons montré qu'on y faisait une fosse et maintenant on a mis des coffrages, on a coulé du béton et on fait les travaux d'étanchéité. On va y mettre des câbles et très bientôt nous vous montrerons de quoi cela aura l'air. Mais déjà maintenant, cela a l'air grandiose. Les travaux qui concernent le sol, ça c'est le stade suivant. Une section de canalisation a été montée. Dans la dernière vidéo, nous vous avons montré qu'il y avait des tests d'étanchéité. On y a mis de l'eau et il n'y avait pas de fuite. On a vu que tout fonctionnait bien. Et on a commencé à faire le remblayage du sol avec le compactage ultérieur. Cela a été fait sur tout le territoire du bureau d'études, mais avant on y employait un rouleau. Et ici on utilise une dalle d'étanchéité. C'est un travail plus précis et il faudra faire ce travail partout où il y a le ménage du sol et partout où on met des communications. Bon, allons plus loin. De cet angle, si le caméraman il zoome, vous savez, beaucoup de gens nous ont dit que notre site de construction, c'était juste une fraude, qu'il n'y avait pas de déchets. Mais maintenant, on voit que nous sommes au stade où il y a vraiment beaucoup de déchets. Ce sont des emballages qui permettent de nous apporter des choses sans faire dommage aux éléments nécessaires pour construire le bureau d'études. Il y a beaucoup de déchets maintenant sur le site. Et les ouvriers mettent tout dans les conteneurs et se débarrassent de ces déchets. De cet angle, on voit que cette cage d'escalier est déjà montée jusqu'à la toiture. Il faudra mettre des armatures, il faudra faire des coffrages et l'accès vers le toit sera prêt. Je pense que c'est la première sortie vers le toit qui est prêt depuis la cage d'escalier. C'est presque un moment historique. Maintenant, allons vers la partie d'entrepôt. Nous allons le faire vite maintenant, comme les blogueurs. Nous sommes déjà ici. La partie d'entrepôt a l'air différente. Il n'y a presque rien ici. Presque rien qui reste. Les constructions en métal se déplacent vers la partie du front du bâtiment
plus à côté du bâtiment administratif et technique pour commencer le montage du bâtiment administratif et technique. Le bâtiment a l'air plus fini et le site qui s'est libéré maintenant, très bientôt, il sera rempli de nouveaux matériels. Nous voyons qu'il faut commencer le montage des constructions de barrières et pour le faire, il faut les apporter, il faut les entreposer, il faut les trier et puis commencer le montage. Imaginez juste combien de matériel d'isolation thermique il faut apporter ici pour que le travail dans le futur bureau d'études soit confortable. Je pense que c'est difficile d'imaginer à ceux qui ne travaillent pas dans la construction et ceux qui y travaillent le comprennent très bien. De cet angle, on voit très bien la cage d'escalier qui va vers la toiture sur la droite. Sur la gauche, il nous reste deux étapes de coulée de béton et d'ici, on voit très bien le toit qui commence à se propager sur tout le périmètre du bâtiment, sur toute la toiture. Je pense que très bientôt, nous pourrons voir de quoi le bâtiment aura l'air quand il sera fermé. Bon, avant que le groupe de tournage ne soit abattu par une grue, il faut partir d'ici. Regardez bien, ce sont bien des déchets dont nous avons parlé. Des ouvriers les mettent dans des conteneurs et puis ils les amènent d'ici pour les recycler. D'habitude, c'est propre ici, mais après le démontage des emballages, temporairement, on est obligé d'entreposer des déchets ici, dans des zones spécialement préparées. On continue le montage des fosses. Il y en a une qui est déjà prête. On a fait des travaux d'étanchéité et il n'en reste qu'une à faire. Allons plus loin. On s'approche d'une fosse suivante. Ici, on fixe des armatures. On a fait les travaux de béton, les fondations, les coffrages, et on va y couler du béton. On va vous montrer cela. Maintenant, nous sommes au point de vue très intéressant. D'ici, on voit que la partie principale du bâtiment a son contour. Les dalles du sous-sol sont déjà placées. Et si on regarde comme cela, on verra que pour assembler les constructions en métal dans cette partie, il faut déplacer la grue. La grue est assez grande. Et pour cela, il faut préparer le site. Et nous voyons beaucoup de béton là. Il y a également beaucoup de sable. Le site sera préparé et le montage sera fini. Dès que le montage des constructions en métal est fini ici, on pourra y mettre les coffrages pour continuer la coulée de la cage d'escalier, de la même façon que cela est fait de l'autre côté de notre Chebourashka. Et de cet angle-là, où nous allons aller, peut-être les gars vont vous le montrer, on voit déjà que le site finit et le bâtiment est tellement déplacé vers la partie avant du territoire que cela touche presque au site d'ouvriers. Et pour voir ce qui se passe sur le site de construction, il suffit de s'approcher de la fenêtre du bâtiment administratif, faire comme cela et voir le bureau d'études qui continue à grandir. Bon, je crois que en général, le tour d'aujourd'hui est fini. Mais maintenant, je vais vous montrer un cadre et essayer de deviner ce que je vais vous montrer. Mettez la vidéo sur pause, écrivez un commentaire et puis vous pourrez vérifier si c'était correct ou pas. Derrière moi, vous voyez un grand espace de travail. Nous vous avons déjà montré ces cadres et essayez de comprendre, c'est en longueur ou à travers? Ça c'est à travers. On continue la construction. À bientôt.